Ce diagramme à points donne les masses de 11 bébés différents. Alors la masse, hein, c'est le mot scientifique pour parler du poids. Souvent on dit poids, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc en tout cas, on a pesé 11 bébés différents. Alors on peut vérifier qu'il y en a 11. Hein. Ici, dans le diagramme à points, chaque poids représente un bébé, un des bébés qu'on a pesé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bébés. C'est bien ça. Ensuite on nous dit toutes les mesures ont été arrondies au huitième de kilogramme. Bon. Quelle différence de masse y a-t-il entre les deux bébés les plus lourds Entre les deux bébés les plus lourds Alors je te laisse réfléchir à ça, voir ce que tu peux apporter comme réponse. Et donc mets la vidéo sur pause et on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va travailler ensemble. Alors quel est le bébé le plus lourd le bébé le plus lourd, eh c'est celui qui est représenté par le point le plus à droite, donc ce point ici. Donc on peut lire que son poids, son poids il est ici. Alors qu'est-ce que c'est que cette mesure ici Il faut bien regarder comment est faite la droite graduée. On a ici le segment entre 9 et 10 et il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Donc chaque partie représente un huitième. Ça, c'est un huitième. Et d'ailleurs, c'est cohérent avec ce qu'on nous dit, hein, puisqu'on nous dit que les mesures ont été arrondies au huitième de kilomètre. Hein, de kilogramme, pardon, pas de kilomètre. Donc un huitième de kilogramme. Donc les points sont tous placés au-dessus de cette graduation. Alors, on s'intéresse à celui-là. Ici j'ai 9 et 1 huitième. Ici j'ai 9 et 2 huitièmes. Donc ce point-là, ici, c'est 9 et 2 huitièmes. 9 plus 2 huitièmes. Mais bon, 2 huitièmes, on peut le simplifier. Il y a une autre manière d'écrire la fraction 2 huitièmes, c'est 1 quart. Et tout simplement, tu peux te dire que le segment qu'on a divisé en 8 parties égales, en fait, on pourrait l'avoir divisé en 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. Donc, chaque fois que je prends 2 huitièmes, en fait, j'ai pris 1 quart. Donc, ça, c'est la même chose que 9 plus 1 quart. Et un quart de kilogramme, eh c'est 0,25. Je peux l'écrire comme ça ici. Un quart, c'est 0,25. Ça, c'est très important de se rappeler de ça. Et donc finalement, c'est 9,25 kilogrammes. Ça, c'est le poids du bébé le plus lourd. Et puis nous, ce qu'on nous demande, c'est la différence de masse qu'il y a entre les deux bébés les plus lourds. Donc ça, c'est le plus lourd. Il faut aller chercher celui qui est le plus lourd avant lui, hein. donc un peu moins lourd que celui-ci, mais plus lourd que tous les autres, et c'est celui-là. Voilà. Alors il est au-dessus de la grande graduation. En fait, le segment entre 8 et 9 a été coupé en huit parties aussi. Mais tu vois que si je prends ces quatre parties-là, ça revient à prendre la moitié du segment. Ici, j'ai en fait divisé le segment en deux parties égales. Donc celui-ci ici. Il pèse 8 kg et demi. Donc 8 kg et demi, c'est 8,5 kg. Ou 8 plus 1,5 en kg. Voilà. Alors nous, ce qu'on nous demande, ce n'est pas les masses des deux bébés les plus lourds, c'est la différence de masse qu'il y a entre ces deux bébés les plus lourds. Donc il faut calculer la différence entre 9,25 et 8,5. Alors ça, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux poser la soustraction, 9,25 moins 8,5. Tu peux aussi euh, travailler avec les écritures en fraction, donc 9 plus 1 quart moins tout ça, 8 plus 1 demi. Ou alors tu peux aussi compléter, hein, c'est-à-dire utiliser la droite graduée pour mesurer l'écart euh, qu'il y a entre ces deux points-là. Alors c'est ce que je vais faire ici, je vais tout simplement compter le nombre de graduations de 1 huitième qu'il y a entre ces deux points. Donc j'en je ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la différence de, de masse, c'est 6 huitièmes de kg 6 huitièmes de kilogrammes. Alors là aussi, on peut exprimer ça différemment. Parce qu'ici, tu vois, je peux compter de 2 en 2, donc en quart hein. Donc là, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc c'est 3 quarts de kilogrammes. Et eh trois quarts, on peut l'exprimer sous forme décimale, c'est 0,75 kg. Donc il y a 0,75 kg, c'est-à-dire 750 g, on peut l'écrire aussi, 750 g de différence entre les masses des deux bébés les plus lourds.